Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus, bienvenue pour la suite de l'épisode 3 de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation ou Benjamin Dare pour les Français. La dernière fois, le début d'une nouvelle affaire où un homme a été enlevé dans ce parc qui est le Gateway to Park avec 4 lutins différents comme mascotte et aussi que nous avons appris. Tiens, l'agent d'Interpol était lui aussi sur l'enquête, avait pris le relais, pris les droits de tout ce que vous voulez dessus. Et nous avons fait la connaissance du grand Yategarazu, qui est cette personne que vous voyez juste à votre droite. Ce à quoi je doute fortement. Mais pour le moment, un autre meurtre a été commis, celui d'un homme qui a été assassiné dans un garage. Et nous avons été chassés du lieu du crime, de l'enquête, de tout ce que vous voulez. Et voici Kay. Qui a une énorme clé dans les cheveux, je ne comprends pas. La vérité. Une vie. Ah oui. Ça ne va pas nous aider pour reprendre le cours de l'enquête. Et c'est mon assistant, ça va pas être détective, oui. Oui, il y a des choses que si vous n'avez pas vu dans l'épisode 1, vous allez être trop surpris. Oui, nous devons trouver où cet homme a été tué, et mais c'est détective, notre Miss Sac à Merde. Alors qu'il ne devrait pas être là. Ah mon dieu! Un témoin! La discrétion de cet homme. Et remarquons tout de suite que cet homme avec son enfant qui se trouve juste à notre milieu gauche n'ont pas bougé depuis que le crime a été fait, que depuis Benjamin Hunter est rentré avec une mallette plein d'argent. Sachez-le. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cet homme, mais ça doit être très le fun. On bait à la reine. En marchant, parce que nous ne sommes pas pressés. Absolument pas. Ah mon dieu, cette voiture est moche. Ouais. Vous êtes sérieux, les mecs? Bonjour. Vous êtes? Ah, mais c'est notre ami Lindsay, je sais plus qui. Emma Sky, exactement. Je n'ai absolument pas confondu les noms. Alors, Emma Sky, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaîtraient pas, c'est un personnage issu de l'épisode. Inédit de la version DS du premier Ace Attorney dans l'épisode 5 où sa sœur est accusée de meurtre et nous devons tout faire pour... En plus ça va être expliqué, voilà. Et c'est l'ancien supérieur, voilà. Voilà, c'est tout expliqué. Ça je m'en souvenais pas. Hein, ça veut dire qu'on va devoir faire la recherche de traces. Waouh, c'est incroyable. C'est bien. C'est faux, mon jeu ne rame absolument pas, on vous a menti. La recherche de rétine. Ah, j'aime beaucoup ta perspicacité, mon cher Benjamin. Elle avait pas un smiley qui souriait avant. Mais oui, j'ai beaucoup à apprendre comme plein de trucs en fait. Ah, la bonne question.
Oui. Oublions cette dernière phrase, tu es bien? Elle a pas toute sa tête, la pauvre. Enfin, je crois. J'espère pour elle. Mais dis-moi, ma petite Emma Sky, qu'est-ce que tu deviens? Hein, tes études, tout ça, les copains, les soirées, les bonnes soirées étudiantes, hein, on connaît. Un grand coup de seringue et de drogue et d'alcool. Mais ne serait pas une énorme Nintendo DS que tu as dans les mains? Mise en abîme, clin d'œil, et rose en plus. T'es sérieuse? Waouh! Ça fait des traces! Ça sert juste pour les traces de pas? Ou ça sert pour tous les fluides corporels aussi? C'est incroyable! Waouh! Je suis impressionné! C'est pas toi le témoin, j'espère. C'est pas toi le témoin. Merci beaucoup. Oui. Oui, d'accord. De quoi ne pensais-tu pas? À son nom, salaire. Oui, enfin non, oui, non, un meurtre en fait. Et où a-t-il pu passer? C'est cette chose, tu me dis que c'est la voiture mobile, je te mets. C'est le lit. Ah mon dieu, une deuxième photo! Bonjour. L'amour vache. Oui. Ah. D'accord. On va dire peut-être. Mais parlons à ce lutin. Oui. Tout à fait. Oh mon dieu! La vie est une pute, Benjamin. Sache-le. Alors, ce personnage, si vous ne connaissez toujours pas, je vous invite à faire la troisième affaire du premier et ça permet. Vous allez très vite comprendre qui est ce personnage, ma foi. Fort. Comment pourrait-on dire? Énervant. Oui, je pense que c'est le mot. Alors, est-ce qu'ils ont changé le nom? Oui. Ah non, ils ont au moins gardé le nom de Flavie Chouette, hein, grand personnage. On l'adore. Oh, ça parle mal. Ça parle très 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 mal. Alors, ça y est, les fins de mois sont très difficiles. Qu'est-ce que tu tiens? Pourquoi t'as des menottes? Ah oui, alors, le parcours professionnel de cette femme est assez... comment pourrait-on dire? Énervant, enfin... Montagne. Disons qu'au départ, elle était simplement agent de sécurité dans une agence de télé. Voilà, tout simplement. Ensuite, après l'affaire du samouraï d'acier, je vous invite à voir l'épisode dessus que j'ai fait avec une qualité dégueulasse. Elle a été affectée en tant qu'agent de sécurité au Gatewater. Là, je vous invite à voir la quatrième affaire de l'épisode 2. Et après, je crois qu'elle a retenu un truc, un autre poste, et maintenant elle fait le pain rose. Les fins de mois sont très difficiles, je pense. Oh oui, ça doit être très très dur. Oh mince. Oh là là. Vous avez dit qu'elle parlait beaucoup. Elle parle beaucoup.
Alors, la fatalité est-elle une personnage... Eh merde. Oh, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Je suis sûr qu'elle le fait exprès, hein, qu'elle se fout honteusement de moi. Juste pour attirer mon attention de procureur. Oh oui. Ah vraiment? Oh le meurtre. Et vous n'avez rien fait pour l'interpeller ou l'en empêcher? Non, je vais voir clair dans ton jeu. Ouais. 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 N'y a-t-il eu qu'un seul coup de feu ou bien peut-être plusieurs coups de feu, je ne sais pas. Ouais. Bien malheureusement, je vais devoir t'écouter, t'interroger, supporter ta voix. Une chose que j'aime beaucoup faire. Ouais, ta pose, tout ça, mon cul, voilà. Deux hommes. Oh, deux hommes. Étrange. Alors, ils avaient l'air totalement bon. D'accord, bon bah arrête. Ah c'est par. Ah mon dieu. Si. Oh mais t'es ouf. D'accord, donc tu n'aimes pas du tout. Soudain, il y a eu un coup de feu très bruyant et la personne touchée est tombée à terre. Eh ben, oui. Mais n'y a-t-il eu qu'un seul coup de feu? Ouais, bah, parce que... Tu te fous de moi? Waouh! Deux hommes et une balle. Oui. Ah mon dieu, c'était la réfutation la plus calme que j'ai du monde. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui. Oh, mon dieu, tu vas me montrer un tour de magie. Tu vas disparaître devant moi. Attention. Oh, un téléphone. Un téléphone à ondes. Un téléphone à ondes holographique. C'est Batman. Oui oui oui, blablabla, on les connaît, blablabla. Waouh, attention. Oh waouh, c'est Batman. C'est comme dans Batman. Ça défonce. Bon, ça défonce un peu plus que le Magatana. Mais ça défonce du cul. Oh la feature la plus pétée du monde. Oui. Un coup de feu à retentir, la victime s'est écroulée sur le sol. Paf. Je... Cette technologie, tu vas la rendre à Batman tout de suite pour qu'il l'utilise quelques années plus tard dans les jeux Telltale. Waouh! Ça te permet de prévoir le futur en fait? C'est. Ah! Ah! Waouh! C'est génial! Et on me montre que ça au troisième épisode! Ouais, pour l'instant, tout ça là. Et bon. Ah oui! Thank you.
comme le petit Robert en fait. Waouh, début de l'enquête en 3D. Waouh. Ici. Ah oui, il n'y a pas de sang. Là, l'MDR. Mais quel manque-t-il? Étrange que tout ça, mais ne serait-ce pas... Ne serait-ce pas ceci? Prends ça! Il manque du sang. Oui. Exactement. Il n'y a pas de sang, monsieur. À moins, bien sûr. Ah non, je ne vais pas faire cette blague dégueulasse sur les menstruations. C'est non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh oh. La logique. Le meilleur ami de l'homme. Et cet homme se tenait ici. Ouais. Oh, tu m'énerves. J'ai rien dans ma logique à part... La victime était un ravisseur. Oh. Et si la victime portait un costume, ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de sang. Une connexion. La logique est impeccable. Écoute, tout est possible. Voilà. Ah. Mais ça alors, mais quelle coïncidence. Mais incroyable. Mais Emma Sky va pouvoir nous aider. Ah là là, tout s'enchaîne avec une telle fluidité. Ah, c'est incroyable. Bah, Emma Sky, c'est ton moment de gloire. À toi, maintenant, montre-nous ton talent pour la science médico-légale. Est-ce que tu peux faire pchit-pchit et analyser ce qui est en train de pas? Aïe! Utilise la Nintendo DS du Turfu rose. Ça, très clairement, c'est ça. Putain, bien, elle aspire à la reconstitution. Oh, c'est fou. Attention, elle met du pchit. Où ça? Ah oui, c'est vrai. Des lunettes spéciales, incroyables. Et là, ma vie devient tout rouge. Waouh. ES! Une conclusion incroyable. C'est incroyable. Oui. Waouh! Une enquête rapide, simple. C'est ce qu'on aime. Bon, par contre, le fait de toujours aspirer cette reconstitution, c'est un petit peu étrange. Ah oui, ah, dis-le-moi ton témoignage. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas réfuté. Oui, dans cette arène, pour prendre une pause, blablabla, alors que j'ai m'en reposé, j'ai aperçu des hommes parés qui se tenaient face à face. Voilà, il y a un coup de feu et la personne. C'est une expérience vraiment terrifiante. Oh là 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 là, c'est incroyable, ta vie est vraiment géniale. Ouais. Ça marche. Nous devrions avoir trouvé la contradiction dans son témoignage. Oui.
Oui, je l'ai vu dans cette heure là pour une petite pause. J'ai aperçu deux hommes qui se tenaient face à face. Est-ce que tu es sûr qu'il y avait deux hommes? Parce qu'il y avait quand même un mec en costume. Ah, ça garde ma réponse. C'est génial, ma vie est incroyablement cool. Donc ce dernier a eu un coup de feu très là, les personnes bougées, toi, oui, ça, tu m'as déjà dit. On en est sur un certain, ok, c'est bon. Ah, c'était bien grave, vraiment, t'as raison, tu peux me croire. Enfin, moi, j'ai envie de te dire non. Ne me fais pas cette tête de chien battu, écoute. Voyons. Oui, attends. Ouais, bah, calme-toi, attends que j'essaye de trouver les bonnes phrases, s'il te plaît. Hein, que ça, ça a été modifié. Non. Ouais, deux hommes. Objection. C'était ça. Non, mais c'était ça. Je me disais juste, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Parce que j'avais un doute. Oui, car est-ce que c'était vraiment des hommes alors qu'il y avait un costume? Oh, c'est pas bien de mentir. Oh là là. Ah, c'est pas bien. Non. T'es une blague. Non, il n'y a pas de métaphorique. Ma main dans ta gueule va pas être métaphorique, par contre. Hein. Oh là là, incroyable. Oh, comment elle profite du système. J'ai envie de te dire non. Ouais, deux personnes. Dans l'ombre de la ta vie est incroyable. Alors vite. En modifiant et en sachant que la vie du deuxième fauteuil. Vite. Mais bon, cet homme était donc un costume. Technologie incroyable. Je lis dans l'ombre de la scène. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Oh, on a déjà démonté la scène. Ceci est étrange, étrange que tout cela, et pourtant cette dame m'a dit quelque chose. Mais voyons, réfléchissons à l'instant. Ils étaient dans l'ombre de la scène, et pourtant la scène a été repliée. Il y a une contradiction. Oui, je vais bien. Ah non, on appuie sur un bouton. Scène dépliée. Voilà. Ok, oh putain, c'est moche. Ok, il y a un truc qui va absolument pas en fait. Monsieur, est-ce que vous allez bien? Oui, très, très clairement au jeu. Oui.
Oui, voilà, c'est... Très clairement, on peut dire que cet homme a eu... un out of bound. Voilà. C'était ma meilleure explication. Non, mais très clairement, c'est... c'est pas possible. C'est... Comment? Je ne pense pas, écoute. Ouais, ça se tient. Et là, elle replie la reconstitution 3D. Waouh. Ah, mais c'est toi, mon ami Lang, l'agent d'Interpol accompagné de notre cher... Non, de sa très chère assistante inutile. Est-ce que tu veux te battre? Ah, il a dit merci. C'est pas mal. C'est pas mal. On s'approche d'un truc. Ah mon dieu, il a tout vu. Ils ont mis combien de temps avant de trouver comment tout bien remettre? Parce qu'on est d'accord, c'est des policiers qui n'ont pas de formation dans le domaine du spectacle. À moins qu'il y avait un plan Ikea. Je n'explique pas comment ils ont fait pour mettre aussi peu de temps. Ah, toi, t'es toujours aussi con, en fait. T'es borné et tout ce que tu veux. Mais c'est le combat de regard. Oui. Non. Oups, en fait, t'as toujours un con. En fait, t'es trop con. C'est ça, dis-le que t'es trop con. Hein. T'as payé un mec d'Interpol pour qu'il te mette un jour d'Interpol. T'es trop con, je pense que tu es trop con. Ouais, blablabla. Alors, moi j'ai envie de vous dire, comment vous saviez que c'était l'agent Balo? Waouh. Ouais. Objection. Tu te fous de ma gueule? Pas si vite. Oh, calme-toi. Oh, c'est pas si vite, ma... hérissé le poil. Ouais. Ah mais il le sait. Eh ben il n'a pas de raison. Avec un costume. Il faut avoir de sacrés crans et une sacrée main. Ah bah oui, bien sûr, c'était la promotion de sa vie. Oh là là, mais... Oui, cette personne, oui, vous êtes un exemple des personnes bornées, on est sur vous. Vous avez beau leur dire des affirmations et vous expliquer avec des preuves tangibles, ils vous diront. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est ce genre de personne un peu... Un peu, comment dire, à côté de la plaque.
Oui, bah attendez, là, je vais tout faire. Oui, tu vas reprendre les rênes et puis empoisonner un. Objection. Ah, c'était pas ça. Dites, ah, merde. Ah, c'est bon, j'ai. C'était un costume qui s'est pointé. Comment il a su que c'était lui? Objection. Mais vous foutez de moi, j'espère, en fait. C'est une blague. Aïe, aïe, aïe. Faire ça, je pouvais faire ça. J'essaye de réfléchir. Ah, j'ai pas réfléchi, mais je ne vois pas. J'ai un peu de mal. J'ai même beaucoup, beaucoup de mal. Je peux vérifier la lutte en mobile? Ah oui, tiens, je peux faire. Ouais, non, je peux rien faire. Je sais absolument pas. Je sais absolument pas, je suis bloqué. Je suis bloqué! Ah, je ne sais pas. Vous l'avez peut-être trouvé, dans ce cas, je vous invite à me lancer des pierres. Il y a un moment où je vais trouver, vous inquiétez pas. Objection. C'était ça! Ah, putain! Ah! Ah, je m'en étais douté! Ah, j'ai perdu une minute pour rien. Ah là 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 là. Je le savais. Oui, abdomen. Du coup, ça fait bas diagonale et diagonale haut remonté épaule droite, ce qui fait une diagonale gauche haut. Ouais. L'emplacement du témoin. Non, c'est pas l'emplacement de témoin,
fous de mon cul. Ah non, putain, l'emplacement de la victime. Ah là là. Mais moi, j'ai fait une faute. Voilà, l'emplacement tueur victime, c'était ça. Je m'étais trompé, pardon. Pas taper. Voilà. Waouh, la 3D, c'est trop bien. On va y arriver, je vous jure, on va y arriver. Et donc, pan. Ouais. Waouh, reconstitution numéro 2. Pan. Waouh. Alors Lang, je crois que tu es dubitatif. Est-ce que tu dubites? Ah. Mais comment regarder une revue? Ah mon dieu, une deuxième preuve avec la blanche. Alors, les traces de pneus là-bas, oui. Ces trois sciences sont caractéristiques de la lutte immobile bleue. Alors qu'un jour nous avons vu sur le champ de ligne, il n'est qu'un mensonge. J'ai trouvé le lutin mobile bleu ici et un commis le meurtre. Ouais. Ah, je vais réfuter. Depuis, très bien, c'est trois sillons de... Attends, les trois sillons. Vas-y, vas-y, montre-moi. Une trace de pneu. Oui. Voyons voir. Ouais. Effectivement. Ouais. Je pense que oui. Je ne suis pas d'accord. Passez vite. Comment? Alors attends, tu me dis que c'est donc ce magnifique... cette magnifique lutte immobile bleue. Alors ma question, tu la vois où exactement la trace de boue? Alors, parce que, faudrait quand même la voir. Y'a pas de trace de boue. T'es aveugle. Tu le fais exprès celle-là. Autant la première, ouais j'avoue je me suis un peu trompé. Autant là tu te fous de ma gueule, t'es bigleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, regarde bien, attention, incroyable. Voilà, attention, c'est incroyable. C'est le pneu avant qui ne contient aucune trace de boue. Alors attention, on va essayer de m'amuser. Voilà, regarde bien. Zéro trace de boue. Incroyable.
Ah, c'est fou. Oh, mais c'est très stressant. Non. Putain, c'est incroyable. Oh, une déduction. Ok, c'est... Oh, c'est magnifique. Oh là là, tu... Cette déduction, personne ne l'avait vue. Ouais, t'as pas laissé les clés dedans par hasard, hein. Comme par hasard. Et oui, la lutin mobile de l'autre, là. La proto-lutin mobile. Putain, c'est quoi ce nom de merde, franchement. Oh là, c'est... Oh, puis elle n'était pas là. Oh, et c'est fou. C'est fou. Oh, il se passe des trucs. Ah, il ne veut pas reconnaître sa défaite. Parce que... Parce que... Un homme? Quelqu'un? Une personne? Qui est-il? Tu es moche. Je tiens à te le dire, tu es très très moche. Mais ne serait-ce pas notre cher... Oh, putain, cet effet de profondeur, ça prend la vache. Ah, c'était Lucien. Comment? L'équipe n'a peur. Se sont enfuis avec des costumes. Non, sérieux. Deux. Et l'un était une femme. Oh mon dieu. C'est une révélation de ouf, violent. T'as mis tes lunettes, espèce de sac à merde. Waouh. Tu es très gentil. Ah là là, ces chansons sont incroyables. Waouh, c'est incroyable. Je jure, dès que c'est possible, dès qu'il t'est inculpé dans une affaire, mais même un petit vol de rien, je vais tout faire pour que tu sois coupable. Je vais même tomber extrêmement bas et fabriquer des preuves. Attention, je suis sérieux. Et bah, ce petit milieu d'épisode aura été fructueux malgré cette petite minute de recherche d'indices, hein, où je l'avais devant moi. Et je l'ai pas bien utilisé, c'est dommage. Mais on a retrouvé Lucien. Enfin, Lucien a réussi à s'échapper. Il a une bonne tête de merde, franchement. Mais il est vivant. Et il y aurait donc une femme qui l'aurait kidnappé. C'est très intéressant. Mais nous en saurons plus dans, je pense, la deuxième milieu d'affaires et ensuite à la fin. Donc, à la prochaine partie de cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. C'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, c'est gentil, et vous soutenez un peu le travail de la série. Vous soutenez la série tout court d'ailleurs, à la commenter évidemment si jamais vous avez un avis sur la question, vous savez qui est le coupable, et dans ce cas mettez des preuves cohérentes et pas de spoil s'il vous plaît. Et si le contenu en général de la chaîne vous plaît, abonnez-vous. Des vidéos toutes les semaines. Et ça, c'est cool. Et bien sûr, à me suivre sur le Twitter où je suis très présent. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth Investigation.